qu'on fait? On va aller. Vous avez de l'édu les deux? Non, toi, t'as rien. Oui, puis toi, Yota, de l'édu. Oui, ton masque, hein, parce que hier, on l'a oublié. Tu vas venir. C'est sûr que là, t'as pas de sac en plus hein, pour le traîner. Fait que faut vraiment y penser. Ah, c'est vrai, j'emmène aujourd'hui mon sac. Faut te l'emmener? Oui. Ok, ben va le chercher. Alors, il reste à l'école. Toi, non, il reste ici jusqu'à jeudi. Bon, ben bonne journée, Eliott. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Allô, bon matin, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 9h, puis je t'avais porté les enfants à l'école. Je viens de revenir. Puis c'est ça, fait que je m'en vais installer à la table dans mon bordel. Je m'en vais travailler une bonne partie de l'avant-midi. Ce matin, je me suis levée vraiment tôt pour regarder une formation que j'ai manquée la semaine passée sur notre groupe de coach. En fait, c'est des appels, formations, où on apprend comme plein de choses, puis on parle de plein de sujets différents. C'est juste que c'est souvent le mercredi midi, regarde sur l'heure du dîner. Fait que c'est un avantage pour celles, mettons, qui travaillent dans des bureaux de quoi, puis là, ils ont leur pause dîner, puis ils peuvent l'écouter en même temps. Sauf que moi, c'est l'heure où j'ai les enfants, puis qu'il faut que j'aille les chercher, puis que, tu sais, je suis comme trop en mouvement. Fait que... Mais c'est ça, on peut les réécouter par après. Pratiquement, c'est ça que je fais. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Je regarde le call de mercredi passé. Puis c'est tellement... Il y a comme des calls qui viennent te chercher plus que d'autres. Puis... celui-là, c'est sur l'avancement en équipe, l'importance d'avoir une équipe. Puis ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Genre, quand j'ai recommencé le coaching, à la base, j'avais dit à Alex, je dis, OK, je vais prendre le temps comme de me faire une bonne base, puis de partir du bon pied, puis je vais travailler fort pour former mon équipe. Puis c'est un peu ça que j'avais moffé la première fois, c'est que j'avais pas la même vision. Là, je le vois vraiment comme une entreprise à bâtir. La première fois, c'était différent. Je voulais plus juste faire comme un revenu tout le temps. Mais là, je le vois vraiment plus à long terme. Puis, j'ai vraiment ce désir-là comme de créer une équipe. En tout cas, je vais aller la terminer. J'ai pas eu le temps de tout finir la vidéo. Fait que là, c'est ça que je m'en vais faire. Je m'en vais terminer cette formation-là en premier. Après ça, j'ai plein de retours de messages à faire. Je dois... Ok, je vais te sauver. Ouais, j'ai deux messages à faire. J'ai des personnes qui m'ont écrit hier. Fait que je vais m'occuper d'elles en priorité. Puis j'ai plein de petites choses à avancer. Fait que ce matin, c'est ça, le planning. Je sais pas si je vais avoir le temps de m'entraîner ce matin ou si je vais le faire après dîner. En tout cas, je vais le faire soit là ou après dîner. Il y a un essai gratuit qui est sorti. Ben, un essai gratuit. Un essai du nouveau programme qui va sortir qu'on peut essayer depuis, ben, depuis hier. Voyons. C'était pas clair. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a un nouveau programme qui sort, qui est un mélange de musculation et de course. En fait, c'est un programme qui est monté expressément pour que tu puisses éventuellement courir un 5 km avec des intervalles et tout. Fait que c'est un programme d'entraînement que tu fais moitié à la maison, moitié en jogging ou sur un tapis de course ou en tout cas, peu importe là. Puis là, il y a un essai gratuit qui est sorti hier. Donc, on essaie la partie muscu puis la partie course. Ça fait longtemps que je veux me mettre à la course, puis je le fais pas. Je m'informe, finalement j'ai la chienne, puis j'ose comme pas. Fait que là, je me disais que ce programme-là, ça peut être l'occasion pour moi de me lancer dans la course. Fait qu'aujourd'hui, je crois que je vais, en tout cas, au moins essayer la partie muscu. Si jamais ça vous intéresse de l'essayer, ce programme-là, l'essai gratuit, écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien, là, pour voir de quoi ça a l'air. Mais... j'aime vraiment beaucoup la musculation. De ce que j'ai vu, la partie musculation est vraiment, vraiment intéressante. Fait que je vais peut-être l'essayer aujourd'hui avec le jour 2 de MBF. Hier, je l'ai recommencé encore à zéro. J'avais l'intention de recommencer lundi passé, chose que j'ai faite, mais qui n'a pas duré à cause de mon rhume. Fait que je l'ai recommencé hier, puis ça me gosse parce qu'en plus, le premier entraînement de ce programme-là, c'est l'entraînement que j'aime le moins de la gang. Puis que je suis un peu tannée de le recommencer. Fait que là, je veux plus recommencer. Je le fais jusqu'au bout. Puis c'est ça. Mais je suis raquée des jambes là, à cause de ça. Là, c'est beaucoup. Le lundi, dans MBF, c'est un entraînement de jambes. C'est l'entraînement que j'aime le moins. Pas juste dans MBF. Dans tout programme confondu, les entraînements de jambes, c'est ce que je déteste faire le plus. Puis disons que celui-là, il laisse pas sa place. Il est quelque chose. En tout cas. Fait que je m'en vais terminer ma vidéo, je m'en vais travailler un petit peu, puis on va se reparler plus tard. Bonne journée! Pendant que j'y pense, pendant que je suis en train de me faire à manger,
Je me fais un bagel avec du bacon, de la dinde puis un œuf, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais vous parler de deux chaînes YouTube que j'ai découvertes dans les dernières semaines. En fait, je les ai découvertes sur Instagram en premier, puis après ça, sur YouTube. Genre, je me promène vraiment beaucoup sur Instagram de compte en compte, puis je trouve vraiment des petites perles. Puis ces deux filles-là, j'ai comme eu un coup de cœur instantané. Vous les connaissez peut-être, peut-être pas, mais sinon je vais mettre leur lien dans la barre de description en bas. La première, c'est Caroline, si je me trompe pas son nom. C'est la chaîne, c'est le quotidien de Caro, mais il me semble que c'est Caroline. Son nom, je suis vraiment pas bonne dans les noms. Fait que elle ici, elle est tellement attachante. J'ai eu un coup de cœur comme instantané. Puis elle est tellement fine, elle est fine, 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 fine. Puis l'autre, non, l'autre c'est Caroline. L'autre elle s'appelle Caroline. Hey, vous faites exprès, vous me mêlez là avec vos noms. L'autre c'est les vlogs de Caroline. Fait que l'autre c'est Caro, elle c'est Caroline. Mais en tout cas, elle aussi, est comme t'as le goût d'être ton amie, là, elle est tellement belle, elle a super de beaux cheveux. Puis les deux sont vraiment gentils, pour vrai, vous allez comme capoter sur ces filles-là, je vous les suggère fortement. Tu sais, souvent, on se demande un peu quoi regarder parce que, tu sais, on fait le tour de notre chaîne, de nos chaînes, puis de nos chaînes, de nos abonnés. Puis, tu sais, veux, veux pas, on se mentira pas, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait que c'est le fun, des fois, d'avoir du nouveau. Fait que c'est ça. Mon Dieu, que j'ai hâte d'aller me faire couper les cheveux. Mais ouais, fait que je vous suggère fortement d'aller les suivre sur YouTube et sur Instagram. Vous allez voir ces deux filles super attachantes, puis vraiment, vraiment gentilles. Donc, je vous les suggère. J'ai combien d'étoiles pour ce macaroni soupe tomate? Ah. Il y en a 40. 40 étoiles? C'est bon pour vrai. Okay. Combien d'étoiles, Chahi? 5. Est-ce que c'est le meilleur repas du monde? Non. Mais il y en a 46. 46 étoiles? Mais c'est ça, c'est cette lettre-là. Ok, c'est quoi? Ah, ça! C'est quoi la lettre? Pas. F. Ouais. Après. R. Ouais. O. Ouais. M. M, ouais. A. Ouais. G. Ouais. On dure. F. Ouais. Ça fait quoi ce mot-là? C'est F. Ouais. Puis si tu colles les lettres, c'est quoi ça fait? C'est dur, ça. F, c'est quoi dans la lettre qu'on commence? F, R, O, ça fait quoi? Fro. Fro. Mage. Oui, c'est ça, c'est bon, hein? Je suis bon. Je suis bon. Ouais. Ah, ça revient. Hey, Eliott. Quoi? C'est quoi les voyelles? Chante la chanson. Non, lui, il chante pas de chanson. Il dit. Oui. Ah ouais? Vas-y, c'est quoi les voyelles? Ben, là, on va pas le faire comprendre, je m'en rappelle plus, là. C'est E-A. Non, mais attention, c'est E-A-B. Non, ça, c'est A-B-C-D. Non, mais les voyelles, A... Oui, mais attention, quand elle dit, elle commence par un E, ça a dit. Ok. Mais c'est quoi la chanson? Ça commence pas... Tu as les voyelles? Ça commence pas par un A, ça commence par un E. Ok. Mais c'est quoi les voyelles? A. Ouais. I. Ouais. O. Ouais. Y. Ouais. Mm-hmm. Ça devrait combien? Deux.
l'ai pas entendu. C'est quoi tu viens de me dire? C'est qui l'ami? Quel ami tu parles? Maïli. C'est quoi qu'elle t'a demandé? Si tu voulais être son amoureux. Si tu voulais être son amoureux? Puis c'est quoi elle t'a dit? Fait que t'as une amoureuse? Il y a une amoureuse! Oh, c'est cute! Je veux jamais. Tu veux jamais jouer avec elle? Ben voyons. C'est ton amoureuse, mais tu veux pas jouer non, avec elle? Tu veux jouer avec tes amis? Je veux plus jouer avec elle. Tu vas plus jouer avec elle? Pourquoi? Parce que tu joues avec Meredith? Ouais. Fait que Meredith, c'est sa nouvelle amoureuse. Avec elle, avec elle. Non, Meredith, c'est mon meilleur ami. C'est ta meilleure amie. Il paraît que Meredith, il a flatté les cheveux. C'est Chloé m'a dit. Mais voyons, il y a, tu pognes? C'est vrai. Il joue que avec des filles. Toi, Charlie, t'as-tu quelqu'un qui t'a demandé pour être son amoureux? Pas vrai. Son amoureuse? Pas vrai, on joue avec. Cet enfant va me faire mourir. Il est tellement drôle. Ce qui est drôle. Eliott, là, je parle. Il est talent comme 50, mais il est drôle comme c'est pas possible. Il est drôle, puis il est vite, le petit maudit. Puis tu sais, pour vrai, moi qui avais tellement peur, j'ai toujours peur, on dirait bien, mais j'avais vraiment un stress que Eliott aurait de la misère à l'école. Peut-être pas de la misère, mais tu sais, parce que Charlie a tellement eu de la facilité à l'école. Tu sais, si vous suivez mes vlogs depuis, depuis le début, tu sais, vous savez, Charlie a tout le temps été extrêmement bonne à l'école sans effort. Tu sais, elle étudiait pas, faisait pas de devoirs, puis elle réussissait tout le temps, comme, facilement. Elle apprenait directement en classe, ça allait bien, puis je m'étais dit, ah, j'ai le feeling que ça sera pas comme ça pour Eliott, tu sais. Puis, jusqu'à maintenant, là, je suis agréablement surprise. Autant qu'en maternelle, la prof, elle me rencontrait une couple de fois, pour me dire à quel point il était gêné, à quel point il participait pas vraiment, tu sais, il jouait, mais il parlait même pas beaucoup avec les amis, là, tu sais, c'était plus comme, il jouait avec eux, mais il osait pas trop parler. Puis là, moi, je disais, d'après moi, ça vient un peu à cause de son petit retard de langage qui fait que peut-être qu'il a moins confiance en lui, tu sais. Puis elle me dit, ah, je sais pas, mais, tu sais, dans les bricolages, il n'y a pas d'imagination, puis, tu sais, en tout cas. Mais tu sais, moi, Eliott, ça n'a jamais été... Est-ce que j'amène mes poids en même temps, c'est lourd? Ça n'a jamais été un tripeux de bricolage, là. Mais il adore apprendre. Il aime apprendre, mais parle-y pas de faire des petits bonhommes puis des petits chiens, là. Ça, genre, il aime moins ça. Lui, ce qu'il veut, c'est apprendre à écrire, apprendre à lire. C'est ça qu'il veut, tu sais. Fait qu'en deux semaines, là, je suis tellement surprise des progrès qu'il fait. Il avait de la misère à reconnaître ses lettres l'année passée. Puis là, en deux semaines, il connaît tout. Il hésite même plus, puis il est connu, tu sais. Je trouve vraiment que c'est une belle amélioration. Puis je suis vraiment confiante que ça va bien aller. Mais il me fait rire. Il me fait rire, puis il a l'air de beaucoup plus participer. J'ai hâte de voir justement la rencontre de parents jeudi, qu'est-ce qu'elle va me dire, les premières impressions, tout. Mais j'ai l'impression qu'il veut plus parler avec ses amis. Je le vois de toute façon, là. Il y a une petite fille là, qui court tout le temps avec lui quand je vais le chercher. Puis, tu sais, juste lui dire bye, à tantôt, à demain, ça, jamais qu'il faisait ça l'année passée. Jamais. Là. Fait que, non, je suis vraiment contente. Fait que là, je m'en vais m'entraîner. Il est 1h20. Je vais aller prendre mon pre-record avant parce que c'est comme non négociable. Je prends mon Energize à chaque entraînement. Fait que là, je m'entraîne. Je m'enligne pour faire MBF jour 2. C'est un AMRAP. Fait que AMRAP, c'est 4 mouvements que tu fais le plus de fois possible, un après l'autre, durant 4 minutes. Fait que là, vu que je recommence le programme du début, je vais essayer de battre mes premiers AMRAP que j'ai fait. Je fais ça, puis après ça, je vais me lancer dans la partie muscu du programme qu'on peut essayer depuis hier, là. Fait que c'est ça que je vais faire. J'ai vraiment besoin de musculation. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis j'aime tellement ça faire de la muscu. Fait que c'est ça que je m'en vais faire, drette que là. Fait que je viens de revenir de l'école. Je suis allée chercher les enfants. Puis, oh, le dodo! Puis là, je dépêche à faire les leçons à Eliott parce qu'Alex, il veut aller manger des hot dogs. Je voulais garder ma gâterie comme plus tard. J'aime pas ça comme manger de la junk comme en début de semaine. Puis j'ai l'impression que je starte mal ma semaine. Mais c'est correct, là. Je suis capable de manger de la cochonnerie à soir puis de
de bien manger le reste de la semaine. Je sais que je suis capable. Puis de toute façon, c'est ça. C'est correct. Fait que là, ouch! J'ai comme eu un point, mon soyeur. Là, on s'en va au Walmart. C'est pour ça, en fait, qu'on va aller manger le dog. Là, on a des commissions à faire au Walmart avec des commissions. Pas grand-chose. Il faut aller voir pour un manteau à Elliot. Puis c'est ça. Puis là, en même temps, tu sais, je vous avais dit qu'on avait pas acheté les bons cahiers à Elliot. Puis là, elle nous a renvoyé le papier. Puis dans le fond, c'est Alex qui est allé acheter les papiers. Puis il a pas pris les bonnes couleurs. Il dit qu'il avait pas les bonnes couleurs. Puis en tout cas, il était pas sûr. Puis il a pris comme pas les bonnes couleurs. Fait que, elle m'a renvoyé la liste en disant qu'il fallait vraiment que je rachète encore 3 autres cahiers, mais vraiment des bonnes couleurs. Interpointillés. On avait racheté 3 cahiers interpointillés. C'est ça, ce sont pas de la bonne couleur. Fait qu'il faut que je rachète des cahiers de la bonne couleur. Je comprends le concept, là, que, tu sais, genre, à de leur dire, mettons, sortez le cahier rose, tu sais. Mais de là, ça va faire 9 cahiers, j'achète, là, maintenant. Là. En tout cas. Puis là, j'espère que je vais trouver les bonnes couleurs, parce que quand Alex est allé, il dit qu'il n'avait plus de bleu, puis il n'y avait plus de rose. Fait qu'il a acheté un vert, puis un mauve. Non, mais il avait acheté ouais, au bureau pro. Ouais. En tout cas, on va y voir au Walmart si jamais il n'y en a pas au Walmart. Mais il me semble qu'il n'y en avait pas au Walmart quand je suis la dernière fois, il n'y en avait plus. Fait que s'il n'y en a pas là, je vais retourner au bureau pro parce qu'il a demandé des avoirs pour demain. Elle m'a écrit comme 2 notes, là, vraiment. Fait que j'ai d'affaire à les trouver, ça de l'air. Fait que là, il est en train de corriger sa petite dictée. Après ça, on va faire les leçons vite, vite. Alex va arriver dans une trentaine de minutes. Fait que, aussitôt qu'il va arriver, on va s'en aller là-bas parce que je ne veux pas revenir trop tard. Je veux. Je veux continuer notre belle routine du soir, ça va bien, fait que je veux que ça continue comme ça. Fait qu'on va faire les leçons vite vite, faut que je me change, hey, je peux pas l'habiller, non. Je vais me changer. Charlie, elle est déjà dans la douche, fait que ça va être fait pour quand on va revenir. Fait que c'est ça, on va clencher les leçons. Dieu sait que j'adore faire des leçons. Salut! Là, je reprends un guest de refilmer ici, mais dans la dernière vidéo, quand j'ai filmé ici, l'éclairage était vraiment, vraiment affreux. Fait que là, je vais voir si c'est moi qui avais comme mal arrangé ma caméra ou vraiment c'est un spot à oublier. Là, mon Dieu Seigneur, je m'excuse pour ma tête. Fait qu'on est allé au Walmart, ben on est allé manger des hot dogs, puis là, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai très, 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 très mal au ventre. Je regrette un peu. Mais c'est ça. Fait qu'après, on est allé au Walmart acheter un manteau à Elliot qu'Alex a serré. Attendez un petit peu. Fait que Elliot a choisi celui-là. Ben, il est tout vert. Le dedans, il est comme vert fluo. Puis, il y a une petite doublure dedans. Parce que celui qu'on a en ce moment, il n'y a pas de doublure. C'est comme ça un coup de vent. Fait que, il fait quand même froid. Puis, lui, il y a une capuche en plus. Puis, c'est lui qui l'a choisi. Alex, lui, voulait avoir le orange. Mais Elliot, il voulait absolument le vert. Fait que, à 15$, c'est vraiment pas cher. Fait que. Il va être correct là, pour les prochaines semaines avec ce manteau-là. Hey, je m'en avais vraiment pas acheté du linge, là. Mais je suis passée devant, en m'en allant devant les shampoings, ben, je suis passée devant l'allée du linge de femme. Puis, il y avait ce chandail-là, genre en liquidation à genre 7$, je pense. Ouais, 7$. Puis, je trouvais que ça faisait un beau chandail, genre de pyjama. Je pensais d'aller plus un crop top. Je trouvais qu'il avait l'air court. Là, je viens de l'essayer, puis il n'y a pas tant crop top, là. Mais ça, au début, je voulais porter en pige, ce qui est vraiment, le tissu est vraiment confortable. Puis là, en le mettant, je me disais, oh, c'est pas si laid que ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, peut-être pour l'intérieur, tu sais, pour quand je suis à la maison. Un chandail de semaine, comme je l'appelle. Mais non, je trouvais que, tu sais, pour cette pièce, ça avait bien du sens. Fait que ça, là, j'ai racheté des 3 cahiers, puis j'espère vraiment que j'ai acheté la bonne chose. Je les ai vraiment cherchés comme une folle, en plus, là, ils étaient pas dans le coin d'école, parce qu'il n'y a plus rien dans le coin d'école. Il faut aller dans la papeterie, puis là, c'était comme dans le fond d'une rangée, en bas complètement. Fait que là, j'ai racheté les bonnes couleurs. Puis là, sa feuille, c'est écrit qu'il faut des cahiers interpointillés. Là, j'ai écrit, il y avait juste interligné pointillé. Mais je suis pas mal sûre que c'est ça. En tout cas, je suis pas mal sûre que c'est ça. Fait que j'espère qu'elle va me ramener, qu'elle va me renvoyer les autres que j'y achète. Ben, les 6 autres qu'elle a à l'école, dans le fond. Puis que ça va faire la job. J'espère. Parce que je suis un peu désespérée. Fait que, en tout cas, j'ai écrit un petit message comme quoi c'est les seuls qu'il y avait en magasin. Fait que si c'était pas ça, ben, elle mettra des cartons de couleur dessus. C'est pas ça, m'amener, hein. Fait que je me suis racheté mon masque pour les cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai presque plus de temps sur ma carte. Je t'aime!
Je l'aime vraiment beaucoup, ce masque-là. C'est le Garnier. Vraiment pas cher. Il y a des petits pots à 3,97$, je pense. Mais là, le gros pot est en spécial cette semaine. Ça, je pense que c'est le nouveau soin hydratant. Moi, j'ai essayé le petit pot et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que je l'ai racheté en gros. C'est un masque comme 3 en 1. Tu peux faire de 3 façons. Genre cheveux secs, cheveux mouillés ou en revitalisant. Fait que non, je l'aime vraiment beaucoup pour le prix. J'ai acheté ce shampoing-là. Ça fait longtemps que cette marque-là, je l'avais pas acheté. C'est OGX. Mais là, je sais pas, j'étais comme... J'étais attirée par la bouteille. Là. Je sais pas si c'était une collection spéciale ou quoi, là, mais c'est comme un cœur de best friend, genre, pour le shampoing, le revitalisant. Puis c'est écrit Candy Pop Glam. Faut faire des recherches. Je sais pas pourquoi c'est pas le même packaging que d'habitude. Puis là, c'est écrit que c'est avec des douces notes de barbe à papa, rosé d'une touche tropicale d'ananas et de noix de coco. Câlin et bisous de la part de Candy. C'est qui Candy? Je sais même pas, c'est qui elle? Ça doit être quelqu'un de populaire, là. Genre. Je sais pas. Mais ça sent vraiment bon. Fait que c'est hydratant. C'est du shampoing apaisant hydratant. J'essaie vraiment d'hydrater mes cheveux, si vous avez pas remarqué, là. C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Là, je m'en vais les faire couper comme très court, là, genre ici. Mais ils ont vraiment besoin d'hydratation parce que. C'est ça. Puis, on a acheté ça. C'est des Hershey au gâteau de fête. Alex, lui, il a pris une autre. C'est Hershey, genre à la crème glacée aux framboises. Mais c'est pas pour moi. Non. Non. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. Ça va se finir là pour moi ce soir. Je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Puis je vais sûrement vlogger demain. Fait que, ben, bonne soirée, puis à demain.